Bonjour mes petits soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour ouvrir une nouvelle webbox du mois de novembre. Comme ceci. Et cette fois-ci je peux vous montrer l'avant, l'arrière, le côté. J'ai pas reçu. D'habitude je l'ai comme ça, avec l'étiquette en grand là. Mais si je l'ai pas eu, je l'ai reçu dans une boîte en carton. Parce qu'il y avait un truc en plus, il savait pas mettre dans la boîte du coup. Elle était à part et je vais commencer par ça. C'est un petit livre comme ceci. Et tout mignon. Je ne connais pas, si vous savez lire, je ne sais pas de quel univers c'est. Pas du tout. J'essaye de l'ouvrir. Mais j'ai pas pensé aux ciseaux. Comme d'hab. Attendez, je reviens chercher des ciseaux. Me revoilà avec ma paire de ciseaux. Ça va être un peu plus facile pour ouvrir ça. Bien sûr. Allez. Voilà. C'était étonnant que je l'ai reçu dans une boîte. Je me demandais c'était quoi déjà quand je l'ai reçu le petit colis ce matin. Je mets le plastique là, comme ça vous voyez bien. Il est trop beau, noir. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les pages sont rouges. C'est joli. Avec l'élastique. Là, il y a un petit texte. Je vous montre. Pour ceux qui ont envie de lire. Voilà. Oh, c'est un agenda en fait. Super. Regardez, là, vous mettez votre... mois et date, vous coloriez le jour et puis vous marquez ce que vous voulez sur la page. C'est pas mal ça. Je vais l'utiliser pour mes to-do list, là, comme on dit, marquer ce que je dois faire le jour et tout ça. Ça, c'est une bonne idée. Du coup, on va ouvrir la box. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, juste le carnet que j'avais vu. Allez, c'est parti, on ouvre la box. Je la mets sur mes jambes. Je l'ouvre à moitié. Hop. Je vais essayer de choper les petits papiers. Du coup, il... Oups, ne sort pas. Du coup, ici, j'ai deux papiers. C'est ça, ouais. J'ai ici pour un jeu Switch, PS4 et PC et Xbox. Je vous montre. Voilà. Du coup, c'est la box de novembre, comme je vous ai dit. Et le nom de la box. Voilà. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a les résumés dedans. Après ça, c'est... Vous pouvez être le boss final. Vous pouvez le... C'est un... Je sais pas exactement. Voilà, je vous montre. Après, il y a ça derrière. Après, j'essaye de choper... Si je le trouve. J'ai un truc là en même. Je sais pas c'est quoi exactement. Cette deux étiquettes. On commence machin. On va ouvrir pour voir. Je vais mettre la boîte juste à côté. Voici. Hop. Voilà, j'ai coupé le petit bord. Et du coup, je vous montre les trois enfin les quatre personnages. Après, il y a quoi? Oh, ben c'est juste ça en fait. Hop, c'est juste ça. Et si je vois bien, c'est une magnette à coller. Et on peut les décoller si je... Enfin, je pense, ouais. On peut les décoller. On voit la forme. Moi, je vais proposer à un ami qui s'appelle Torte. Enfin, qui fait ce personnage-là pour voir si ça lui intéresse. On sait jamais. Parce que moi, je suis pas trop fan. Après, on ouvre la box. J'essaie d'avoir le pins. J'ai le pins. Le voilà. Je vais retirer du sachet. On le verra mieux. Hop, je vous montre. Je sais pas du tout c'est qui, c'est quoi. On dirait une tête de tic. On dirait un tic. C'est pas laid, mais je sais pas de quoi, de quel...
L'univers sait. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Ça me fait plaisir. Après, je sens le t-shirt et la figurine. Du coup, on va commencer par le t-shirt. Je vois t-shirt blanc, je vous montre, on voit juste ça. On va l'ouvrir. Si je trouve l'ouverture, juste là. C'est ce qui est plus dur à ouvrir. Hop, je vais pas me casser les pépettes. Voilà, c'est mieux. Pour une fois, j'ai les ciseaux à portée de main, du coup, on va en profiter. La matière est bien. Du coup, le tag, voilà. Je connais pas ce... ça doit être un manga. Du coup, j'ouvre le t-shirt. Voilà. C'est vrai qu'il faut vraiment que je change la taille. À chaque fois, je le dis, mais il faut que je change avec un L. Je sais pas si... Il est beau, il donne bien. En plus, la matière est douce et agréable. Enfin, moi, quand ils sont trop longs comme ça, s'ils sont très longs, je fais pyjama avec. Alors, voilà. Toujours des t-shirts, c'est toujours intéressant. Et du coup, il n'y a plus que la figurine. Voilà, je la regarde avant vous. Ah, ça va plaire à beaucoup de personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce film. Je vais quand même la sortir pour la voir un petit peu mieux. La figurine est belle. Regardez ce beau personnage. Je ne sais pas de quel personnage s'agit-il. Cette box n'est pas très dans mon univers. Voilà. Je suis pas trop... Voilà. Je regardais, mais... Voilà la figurine. Je la mets de côté. Du coup, on va regarder un petit peu. Oh, le... 2000 euros de cadeau à gagner, il est pas mal. Enfin, moi, il y a qu'un truc ou deux que j'aime bien, mais voilà quoi. Je vous montre le set qu'on pouvait gagner. À tirer au sort. La PlayStation... des Lego Star Wars. Après, il y a deux figurines et une épée là. Je sais pas de qui c'est. Voilà. Après, le détail. La figurine. La figurine Q-Fig, c'est 15 euros. Le t-shirt, 20 euros. Le livre que je vous ai montré au début. Comme ceci, hop, 10 euros, le, quoi de neuf pour avoir des sagas favorites, non, de manga, vous pourrez animer n'importe où, dans votre maison, c'est ça que je disais, 5 euros, et le pin comme d'hab, 4 euros. Voilà, et du coup, on va faire comme d'habitude. Toi, tu m'emmerdes. On va transformer la boîte. C'est vrai que c'est pas, c'est facile quand même, hein, pour ceux qui ne savent pas comment faire. C'est pas compliqué, sauf que comme elle est bien pliée d'un côté, elle est plus dure à replier de l'autre. Voilà, j'ai mon chat qui me regarde, en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fous maman encore? Sur son arpacha, là, elle se le prend de haut. Allez, plie-toi. Bon, enfin ça, lui, il veut pas rentrer, mais c'est pas grave. Oui, ça coupe ça. Elle est belle, la boîte. Hop.
Hop, 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 hop. Voilà la petite box. Du coup, ça rappelle bien le contenu qu'on a eu. Ça, c'est de tortue géniale. Après, c'est les épées de plusieurs trucs. Là, c'est comme ceci. Bon, l'arrière, c'est toujours rien. Et l'autre côté, c'est comme ça. Et les quatre coins, il n'y a jamais rien. Sauf ici, on a les pieds. Les pieds pour mettre la boîte. Voilà. Voilà, elle est trop belle la boîte. J'aime bien ça. Bon, en plus, moi, j'arrange mes affaires dedans. Hop, ça fait peut-être un armoire. Vous voyez, là, il y a le... Voilà. Je pourrais mettre mes livres, c'est vrai, ça, j'ai pas pensé. Les mettre, si ça rentre. Les petits livres de poche, si ça rentre dedans. Ce serait joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. De me mettre un commentaire, ça me fait plaisir. Surtout un pouce bleu pour aider la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!